بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله الدروس في شرح أربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث العاشر. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et nous étions arrivés au 10e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Donc il est rapporté d'après Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Ô les gens, certes Allah est pur, est bon et pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés, aux prophètes, en disant « Ô les envoyés, mangez des bonnes choses et faites des bonnes actions. Certes, je sais très bien ce que vous faites. » Et il a dit « Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses, mangez des choses pures, taillées, que nous vous avons données. » Ensuite, il a mentionné l'homme qui, venant d'un long voyage, avec les cheveux décoiffés et de la poussière sur lui, qui tend ses mains vers le ciel en disant « Ya Rab, ô Seigneur », mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, et il a été alimenté, nourri par du haram. Alors comment est-ce qu'il pourrait être exaucé? Comment est-ce qu'Allah pourrait lui exaucer ses doigts? Ça a été rapporté par Muslim. فالإفادة في الحديث الحث على الإنفاق من الحلال والنحي عن الإنفاق من غيره وأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال والصدقات إلا ما كان طاهرا من الحرام ومن الرياء وأن المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمركب ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. Donc ce hadith, il nous enseigne, il nous encourage à dépenser notre argent, acquérir nos biens dans le halal. Et évidemment, l'interdiction de faire l'inverse, c'est-à-dire d'acquérir nos biens d'une façon haram. Et que Allah n'accepte comme aumône, comme sadaqat, mais sadaqat, ça peut avoir un sens large aussi. Puisque tout ce que l'on donne, même si ce n'est pas forcément de l'argent, le prophète Sam a bien dit que le sourire est une sadaqa. Donc tout ce que l'on donne pour Allah, il faut que ce soit, qu'on l'ait acquis de façon halal. Donc il n'accepte que ce qui est pur, qui est halal, donc est pur de, aussi de l'ostentation. Et que ce que l'on boit, ce que l'on mange, nos vêtements, nos demeures, nos montures, alors aujourd'hui c'est nos voitures bien sûr,
Tout cela, il faut que ce soit acquis d'une façon halal, de façon certaine. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Donc tayyibun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi munazzahun an jami'in naqais. Donc quand on dit que Allah il est tayyib, tayyib c'est un mot en arabe qui est aussi difficilement traduisible. Ça veut dire bon et pur. On pourrait dire ça, bon et pur, tayyib. Donc quand on dit qu'Allah il est tayyib, c'est-à-dire dans ses attributs et ses actions, c'est qu'il est parfait. Il n'est pas concerné par la moindre défaillance, la moindre chose incorrecte. فَلَا يَقْبَلُ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا مَا كَانَ طَيِّبًا فِي نَفْسِهِ وَصِفَاتِهِ. Et de la même façon, il n'accepte que ce qui est pur en lui-même et dans sa description, c'est-à-dire pur en lui-même. Quelque chose qui n'est pas pur en soi, par exemple al-khamr, le vin. Le vin, c'est impur en soi. Ou lahmul khinzir, la viande de porc. Mais aussi, fi sifatihi, quelque chose, il peut être tayyib en soi, mais il peut devenir impur, najis. Comment ? Par exemple, la viande de, ou on va dire, oui, la viande autorisée à être mangée, la viande halal, mais que l'on aurait volée. Évidemment, Allah n'acceptera pas une aumône. Si je vole de la nourriture et que je veux la donner en sadaqat, évidemment, Allah ne l'acceptera pas, parce que en soi, c'est une bonne chose cette viande, mais de acquise de façon en ayant volé, eh ben, ça n'est plus tayyib. Alors, ma huwa tayyib, huwa ma yuwafiqu ash-shari'ata zahiran wa batinan. Et donc, c'est ce qui est tayyib, c'est ce qui est conforme à la sharia, en lui-même et dans la façon dont on l'a acquis. C'est pour ça que des fois, quand on nous demande, parfois il y a des frères qui ont un compte en banque, un compte en banque qui génère des intérêts, riba. Voilà, livret A, ça s'appelle, livret A. D'un argent, on met notre argent dans ce compte, et tous les mois, on reçoit un petit peu d'argent, des intérêts. Ça, c'est haram, c'est riba. Alors, ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir de compte comme ça. La première chose, c'est de ne pas en avoir. D'accord ? Mais quand une personne, elle ne savait pas, ou alors elle fait tauba, elle se repent, et elle avait un compte, cette personne, elle avait un compte comme ça, et qu'on nous dit, qu'est-ce que je fais maintenant avec cet argent ? Parce que de l'argent haram, il faut bien comprendre quelque chose, de l'argent haram, indallah, il ne nous appartient pas. Par exemple, j'ai 1000 euros à la banque, et 1000 euros, ça m'a donné, je ne sais pas moi, 100 euros de riba, d'intérêt. Ces 100 euros-là, ils ne m'appartiennent pas. D'accord ? Donc, quand on nous demande ça, qu'est-ce que je fais avec ça ? Là, on dit, on s'en débarrasse, on le donne à des pauvres. Mais ça n'est pas une sadaqa. On ne dit pas, bah, ces 100 euros-là, fais une sadaqa avec. Non, ce n'est pas une sadaqa. Une sadaqa, c'est avec quelque chose de tayyib. Et tayyib, c'est quoi ? Ma yuwafiqu ash-shari'a. Ce qui est conforme à la sharia. Donc cette riba, c'est une impureté. C'est quelque chose de mauvais qui ne m'appartient pas. Mais quand la personne elle est dans une situation, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet argent ? D'accord, on donne à qui a besoin, aux pauvres. Mais ce n'est pas une sadaqa. C'est s'en débarrasser. Parce qu'Allah ne l'acceptera pas comme une sadaqa. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tayyib. Wa la yaqbalu illa tayyiban. Ce n'est pas tayyib, c'est acquis d'une façon haram. وَالطَّيِّبُ دِدُّ الْخَبِيثِ. Bien sûr, الطَّيِّب, c'est l'inverse de الْخَبِيثِ. الْخَبِيثِ, c'est ce qui est impur, ce qui est mauvais. فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الْخَبِيثِ. Et Allah n'accepte pas الْخَبِيثِ. وَالْمُؤْمِنُ كُلُّهُ طَيِّبٌ. Normalement, le croyant, il est طَيِّب, justement. Il est bon, il est pur. عَقِيدَتُهُ طَيِّبَةٌ. Sa عَقِيدَة, sa croyance, elle est pure. Pure de quoi ? Pure de tout shirk. Al-tawhid. Al-tawhid, la croyance en Allah uniquement, sans rien lui associer, en lui attribuant que ce que lui-même s'est attribué. Ça, c'est al-aqida al-tayyiba. C'est l'aqida pure. Wa qalbuhu tayyib. Évidemment, ça, c'est l'idéal, hein, l'objectif à atteindre. D'accord ? Qalbuhu tayyib. Son cœur, il est pur. Pourquoi il est pur ? Parce que le croyant, on a tous des maladies du cœur, la jalousie,
la jalousie, la fainéantise, l'avarice, l'orgueil, tout ça, ce sont des péchés très graves. Mais ce n'est pas des péchés que l'on commet avec les mains. Ce sont des péchés qui se trouvent dans le cœur, des maladies du cœur. Eh bien, quand on parle de tazkiyat al-nafs, on en a déjà parlé, purification du nefs, c'est de se purifier de ces choses-là. Donc le croyant, normalement, son cœur, il est pur, il est taillé pur de toutes ces maladies, de la jalousie, de l'avarice, de l'orgueil, etc. etc. وَعَمَلُهُ طَيِّبُ Et ses actions, elles sont taillées. Dans le sens qu'il ne commet pas le haram. Il ne commet pas le haram. Donc tout ce qui n'est pas haram est halal et donc est taillé. وَقَوْلُهُ طَيِّبُ Et ses paroles sont taillées, elles sont bonnes, elles sont pures. Pures de quoi aussi? Pures du mensonge. Pures de la médisance. Al-riba. Pures de la namima. Namima, c'est aller semer la fitna entre les gens. Aller voir un tel et dire « Ah, tu sais, Foulen, il m'a dit ça sur toi. » Ça, c'est grave, c'est une namima, c'est très grave, ça. Et même la médisance. Dire quelque chose d'une personne, si elle était là, elle ne serait pas contente qu'on dise ça. Et attention, même si ce que l'on dit, c'est la vérité, même si ce que l'on dit, c'est la vérité, parce que justement, c'est ça, la médisance. Si on ment en plus, c'est la calomnie, c'est pire. Mais al-riba, la médisance, c'est dire de quelque chose de quelqu'un en son absence et quelque chose de vrai. Mais il ne serait pas content d'entendre ça. Ça, c'est riba et c'est haram. Évidemment, il y a des cas où on pourra le dire, où il faudra même le dire. Par exemple, dans le cas d'un mariage. Si je sais que quelqu'un, il est malhonnête, c'est un voleur. D'accord ? Et j'ai mon frère qui vient me voir et qui me dit « Qu'est-ce que tu penses de Foulen ?» Il a demandé ma fille, la main de ma fille. Il va peut-être se marier avec ma fille. Et moi, je sais que c'est un escroc. Ah, je ne vais pas dire, non, je ne connais pas la médisance, c'est un frère très bien, machallah. Non, bien sûr, là, il faudra dire. Là, il faudra dire parce que les conséquences seront encore plus graves. D'accord ? Ou si je sais qu'à la sortie, au coin de la rue, il y a un voleur qui agresse les gens. Ben, je ne vais pas vous laisser comme ça et je ne dis rien à personne parce qu'il ne faut pas que je fasse de la médisance. Bien sûr, je vais dire attention. À la sortie, il y a un tel, il est comme ça, il est comme ça, il agresse les gens. Là, d'accord, vous comprenez, il y a une raison de dire. Mais sinon, quand ça, il n'y a aucune raison, on ne doit pas dire les défauts de nos frères. On ne doit pas les dévoiler. Et même nous, des fois, on a l'impression que ça fait du bien, ça. On a l'impression, on est là, notre nefs, il aime bien. Ah, un tel, t'as vu, il est comme ça, et en plus, c'est vrai ce que je dis. Mais en fait, quand on a l'impression que ça fait du bien sur le moment, mais en fait, on se fait que du mal. On n'est qu'en train de salir notre cœur. Et vous savez, le péché, c'est toujours comme ça. Le plaisir qu'on peut ressentir au moment du péché, c'est un faux plaisir. C'est un plaisir satanique. J'avais un professeur qui nous avait donné cet exemple. Quelqu'un, des fois, ils ont des maladies de peau. Ils ont des maladies de peau. Et ça les démange. Mais en fait, quand ils grattent comme ça, sur le coup, ça fait du bien. Ah, ça le gratte et il gratte. Mais en fait, c'est en train de s'infecter, il ne faut surtout pas se gratter. Je sais, l'image, on n'aime pas, mais c'est ça le péché, c'est ça le haram. Sur le coup, hein, on a l'impression que ça fait du bien, mais on est en train d'empirer notre situation. C'est exactement comme un alcoolique. Un alcoolique, il essaye d'arrêter l'alcool. C'est dur au début, c'est très dur. Il va sentir son corps trembler, il va sentir qu'il en a besoin. D'accord ? Et s'il prend un verre d'alcool, ça le calme, il a l'impression que ça lui fait du bien. Et sur le coup, il ressent du bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'enfoncer. Alors qu'il fallait résister à ce qu'il ressentait pour s'en sortir. Là, il est en train de s'enfoncer. Le péché, c'est ça. Le plaisir qu'on ressent sur le moment où on fait un péché, c'est un faux plaisir. Et c'est un plaisir qui, en fait, il nous rabaisse et il nous enfonce. Donc, il ne faut pas se faire avoir par ça. Et donc, la médisance, le croyant, pour revenir à ce que l'on disait, il est taïb, fi qawlihi. Ses paroles, elles sont taïb. Fatouba liman tab. Donc, bonne nouvelle à celui qui est devenu, qui est bon. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila aljannati zumara. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
Allah nous dit dans Sourate Az-Zumar, et ceux qui craignaient leur Seigneur seront amenés vers le paradis en groupe. Et lorsqu'ils arriveront, les portes du ciel leur seront ouvertes. Non, les portes du Jannah, du paradis, leur seront ouvertes. Et les gardiens du paradis, ils leur diront Assalamu alaykum, tibetum. Vous avez été bon, vous avez été pur. Fadkhuluha khalidin. Alors rentrez dans le paradis éternellement. Et c'est pour ça aussi que les croyants qui passeront un moment en enfer, qu'Allah nous préserve, certains croyants qui étaient pécheurs, ils passeront un moment en enfer et ensuite ils auront droit d'aller au paradis. Ce passage en enfer, c'est justement pour les purifier, parce qu'ils ne se seront pas assez purifiés dans cette dunya. وإن الله أمر بالمؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا الصالحات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Alors là, évidemment, le prophète nous a dit que Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Et il a dit: ô vous les envoyés, الرسل, mangez des bonnes choses et faites des bonnes actions. يا أيها الذين آمنوا أو فوكي كروي كلوا من طيبات ما رزقناكم. Mangez des bonnes choses que l'on vous a données, octroyées. Alors من الطيبات, évidemment, c'est un ordre de ne consommer que les bonnes choses. طيبات, les choses halal, les choses halal et en plus طيب. Mais on peut comprendre autre chose de ces ordres aussi. C'est quoi? C'est que alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah il nous a donné des bonnes choses dans cette dunya et il faut en profiter. C'est-à-dire que comme le professeur nous a dit, nous sommes des voyageurs ici. Il ne faut pas trop s'accrocher à ce monde. On est là pour un tout petit moment. Et l'important, c'est l'akhirah. Mais alhamdulillah, on est des voyageurs, mais il nous a donné des choses pour que le voyage se passe de façon agréable. Et donc il ne faut pas hésiter à en profiter. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les religions et les idéologies des hommes, on a souvent deux extrêmes. On peut dire qu'on a un extrême, le christianisme. Et à l'autre extrême, le matérialisme. Donc à un extrême, le christianisme, pourquoi je dis ça? Parce que dans leur aqida, dans leur dogme, pour eux, toute cette dunya, elle est maudite et tout est mauvais. Tout est mauvais. Et pour se rapprocher d'Allah, il faut au maximum renoncer à toutes les bonnes choses, toutes les choses de cette dunya. La preuve même chez eux, les plus proches de Dieu, les muqarraboun, comme on pourrait dire, ils ont renoncé au mariage. Pour cela, il faut renoncer au mariage. Il faut renoncer à la richesse. Les prêtres, ils refusent. Ils font vœu de chasteté et de pauvreté. Chasteté dans le sens, ils ne se marient pas. Et de pauvreté, ils restent pauvres. Ça n'empêche pas le pape d'être dans l'or et... Bref, frère Inch'Allah. Mais leur dogme, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette dunya, c'est la punition qu'Allah a donnée à l'être humain pour le péché de Adam, alayhi salam. C'est-à-dire que dans leur façon de voir aux chrétiens, on est tous là dans cette vie pour payer le péché de Adam alayhi salam qui a mangé du fruit au paradis. Et donc tout est maudit. Et pour se rapprocher d'Allah, il faut au maximum, voilà, celui qui veut se consacrer sa vie à Allah, il faut qu'il ne se marie pas. Et même, évidemment, ils ne peuvent pas interdire le mariage. Parce que si on interdit le mariage, il n'y a plus d'être humain. Donc le mariage c'est autorisé, mais vous savez que chez eux, par exemple, les rapports conjugaux entre l'homme et sa femme, c'est juste pour faire des enfants. Il ne faut pas prendre de plaisir. C'est juste pour faire des enfants parce qu'il faut bien. Mais celui qui veut consacrer sa vie à Dieu, il faut qu'il renonce à ça. Et toutes les choses qui pourraient être agréables chez eux, c'est interdit et c'est mauvais. D'accord? Et il n'y a que Akhira qui compte. Et on a un autre extrême. C'est l'idéologie qui domine aujourd'hui. Le matérialisme. Il n'y a pas d'akhira, il n'y a rien après la mort, on est dans cette vie pour profiter, et il faut profiter tout sans limite.
les femmes, sans limite la nourriture, sans limite et la drogue et l'alcool et tout ce qui peut, vas-y, tout ce que tu peux profiter, fais-le parce que tu as un petit moment à vivre sur terre et après c'est fini. Voilà deux extrêmes. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a l'islam. Comme toujours. Au milieu des deux extrêmes, on a l'islam. Pourquoi? Parce que d'un côté, bien sûr, l'important c'est l'akhirah. Bien sûr, on n'est que des voyageurs et cette dunya n'est pas importante. Mais ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Allah nous dit kulu wa shrabu min at-tayyibat ma razaqnakum. Mangez, buvez, faites-vous plaisir. Des tayyibat. Et toujours, kulu wa shrabu, dans un autre verset, kulu wa shrabu wa la tusrifu. Mangez, buvez, mais ne gaspillez pas. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses dans cette vie. Le prophète a bien dit que j'ai aimé de votre dunya le parfum. Ça, c'est quelque chose de dunyaoui. Les femmes, c'est quelque chose de dunyaoui aussi. Et as-salah, la prière, qui est quelque chose de ta'abboudi, évidemment. Mais le prophète a aimé les femmes. Bien sûr que c'est normal. Certains orientalistes, ils voudraient dire, oui, ce prophète, c'est pas un vrai prophète, il aimait les femmes. Mais un homme qui aime pas les femmes, il a un problème ou pas? Le prophète, c'est l'homme parfait. Un homme parfait, il aime les femmes. Mais c'est pas cet amour pour les femmes qui quitte sa vie. Et surtout, évidemment, il ne côtoie les femmes que dans le cadre du mariage. Donc vous voyez, entre les deux extrêmes, le mariage est quelque chose d'autorisé chez les chrétiens parce que vraiment il faut. Mais les curés, eux, ils n'ont pas le droit de se marier. Et l'autre extrême, avec les femmes, pas de mariage, et même entre hommes et entre femmes, et entre tout est permis. Et au milieu, il y a l'islam. C'est qu'il n'y a pas de problème à profiter de nos épouses. De nos épouses, mais dans le cadre du mariage. Et c'est pareil quand les compagnons, on peut parler de ça, il n'y a pas de haya fiddin. Quand les compagnons, ils ont demandé au prophète sallam s'ils pouvaient avoir des rapports avec leur épouse, mais de façon à ne pas avoir d'enfants. Une façon de ne pas avoir d'enfants. Le prophète sallam leur a autorisé cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des rapports avec nos épouses juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, pas forcément parce qu'on veut faire des enfants. Parce qu'il n'y a pas de mal. Même le prophète sallam a dit à ses compagnons qu'on avait une hasanat pour ça, on avait des hasanat pour ça. Et les compagnons ont dit, mais comment on assouvit nos désirs et on a des hasanat pour ça? Et le prophète leur a répondu, mais si vous assouvissez ces désirs dans le haram, vous allez avoir des péchés. Vous les assouvissez dans le halal, vous avez des récompenses. Donc on a même des récompenses pour cela. À la différence des chrétiens qui diabolisent tout cela. Aussi, les chrétiens, chez eux, la gourmandise, aimer manger, c'est un grave défaut. Ils disent, les Français, la gourmandise est un vilain défaut. C'est un péché pour eux. Il faut manger juste un tout petit peu. Pareil, l'islam est au juste milieu. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas gaspiller. Kulu wa shrabu, voilà, tout ça il faut. Mais manger des bonnes choses, Allah nous dit, allez-y, mangez des bonnes choses. Vous voyez comment l'islam, et toute la vie c'est comme ça. L'islam, c'est le costume parfait pour l'être humain. Parce que quand on empêche les prêtres de se marier, c'est contre nature. Yukhalifu tabi'a, tabi'atul insan. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les dérives que l'on voit. Les prêtres, ils deviennent malsains, faire des choses très malsaines. Ou alors, il y en a, ils ont une épouse, ils ont une femme, mais ils ne le disent pas. Bref, ça ne peut pas. L'être humain, il n'est pas comme ça. Bon, l'être humain, il n'est pas un ange. Et l'être humain, il n'est pas un ange et il n'est pas un animal non plus. L'être humain, il a les deux. Il a un côté bestial, un peu animal, et il a un côté angélique. D'accord? Et ça, c'est difficile de gérer, ça se contredit. Mais comment on gère pour que tout ça, ça soit une harmonie? C'est l'islam. Avec l'islam, le corps, il est satisfait. Les besoins du corps, ils sont satisfaits. Les besoins de l'âme, ils sont satisfaits. Les besoins de l'âme, ils sont satisfaits aussi. Et les besoins de l'intellect, ils sont satisfaits. Toutes les dimensions de l'être humain sont satisfaites. Alors que dans les autres religions, les autres idéologies, il n'y a qu'un aspect de l'être humain. Les chrétiens, il n'y a que un ruh. Il n'y a que l'âme qui compte, c'est tout. Le corps, il faut. Même dans l'histoire, c'est écrit dans les livres qu'il y avait des chrétiens, des moines, qui passaient des années sans se laver. Sans se laver. Pourquoi? Parce que se laver, c'est déjà donner trop d'importance au corps. Déjà, on est trop attaché à la dunya si on se lave.
C'est pas tous évidemment, mais ça a existé. Vous voyez, souffert, mauvaise compréhension. Les chrétiens, l'homme, c'est que pour l'âme. Et les matérialistes, c'est que pour le corps. Consomme, consomme, mange, fais, passe tes désirs, c'est tout, mais rien pour l'âme. Et c'est pour ça que dans les pays comme ici, où les gens, ils ont tout le confort qu'ils puissent avoir, l'être humain, il n'a jamais vécu dans autant de confort, et pourtant, c'est les pays où les gens se suicident le plus, c'est les pays où les gens prennent le plus de médicaments d'antidépresseurs, et la drogue, et l'alcool, comment ça se fait? Alors qu'ils ont tout le confort, parce qu'il manque quelque chose. Il manque les droits de la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est tilawatul Qur'an, c'est salat, c'est dua. C'est juste même penser à Allah. Notre âme, elle a besoin de ça. Ils nourrissent leur corps et ils oublient leur âme. Pendant que d'autres, ils pensent nourrir leur âme, mais ils ne le font pas et ils délaissent leur corps. Et l'islam, il est au juste milieu, comme Allah nous a dit, kulu wa shrabu wa la tusrifu. وَكُلُوا وَشْرَبُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ. Nous, pendant mes études, on avait toujours un directeur de Mahad, l'institut. Il nous disait toujours, éclatez-vous dans le halal. Faites-vous plaisir dans le halal. Pas de takallouf, pas de chichi, pas de... Moi, les femmes, ça ne m'atteint pas, ça ne fait rien. Comment ça ne t'atteint pas? Marie-toi et fais-toi plaisir dans le halal. Vous avez un bon repas avec en famille ou avec des frères, fais-toi plaisir, mange. C'est pas ça la piété, c'est la fausse piété, ça, de ne pas de refuser ce que Allah nous a donné de halal. Mais bien sûr, min at-tayyibat, le haram non, le haram non. ويدل على اتصال الشديد بين الحلال والعمل الصالح وعلى أن العمل لا يقبل إلا بأكل الحلال وأن الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. Et donc, ce hadith nous montre aussi qu'il y a un lien très fort entre le halal, vivre dans le halal, et nos actions, nos bonnes actions. Nos bonnes actions, elles soient acceptées pour qu'on se rapproche d'Allah, pour qu'on se purifie notre cœur, il faut vivre dans le halal. Parce que comme on avait déjà dit, ici, le haram, ça met une barrière entre le serviteur et Allah. Entre le serviteur et Allah, le haram, ça met une barrière. Comme Allah dit dans Surah Mutaffifin, وَرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Leur cœur a été enveloppé, rouillé de ce qu'ils ont acquis par leurs actions. Le haram, ça tue le cœur. Et donc, on ressent plus rien quand quelqu'un nous parle d'Allah. On ressent plus rien quand on récite le Qur'an devant nous. Donc c'est important, et Allah n'accepte pas les actions. Alors il y a des hadiths qui disent que lorsque l'on mange de la viande haram, on mange du haram, pas que la viande, les do'as, les prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours. La plupart de ces hadiths, ils sont un peu faibles, mais il y en a beaucoup. Et ce qui fait que le sens, il est valable. C'est-à-dire que Allah, pour que nos bonnes actions soient acceptées, il faut faire attention à vivre dans le halal. Ce qu'on mange, nos vêtements, notre maison, etc. etc. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Ensuite, donc, le passage où le prophète s'en parle du voyageur qui fait des do'as, mais sa nourriture, ses boissons, sa boisson, ses vêtements sont haram. Ash'atha, ay mulabbal ash'ar. Donc ash'atha, ça veut dire il a les cheveux décoiffés. Wa akhbara ay ghayyara al-ghubar lawna sha'rihi. Et il a des poussières, il a la poussière, elle a changé ses cheveux de couleur, il est recouvert de poussière. En fait, pourquoi ça? Parce que cette personne, elle était dans une situation, normalement les do'as sont acceptés. Yutilu safar. C'est-à-dire qu'il vient d'un long voyage, c'est un voyageur. Dua al-musafir, mustajab, inshallah. L'invocation du voyageur, inshallah, elle est acceptée. Et en plus, il est mutawadir. Il est humble. Il n'y a pas de takabbur, il ne vit pas dans le luxe, etc. Il a des vêtements simples, humbles, il est décoiffé, etc. Mais pourtant, ces invocations ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le haram.
Alors, min asbabi ijabati du'a, parmi les causes pour que les du'a soient acceptés, ijtinabu anwa' al-haram lima sabaqa fi al-hadith. Donc, évidemment, comme on a dit, éviter tout ce qui est haram, comme ça a déjà été expliqué. Rawa Abu Daoud, wa ibn Majah, wa Tirmidhi, wa Ahmad, min hadith Abi Hurayrata, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a qal, thalathatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna. دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. Donc le prophète nous a dit, d'après Abu Daoud, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah al-Tirmidhi et Ahmed, trois invocations qui sont acceptées. L'invocation sans aucun doute, la shakka fihinna, sans aucun doute. L'invocation du père, c'est-à-dire du père pour son fils et de la mère pour ses enfants. Les parents, là, faites des dua pour vos enfants. Ça fait partie des du'as qui sont acceptés, Inch'Allah. L'invocation du voyageur. Lorsqu'on est en voyage aussi, il faut profiter pour faire des du'as. Et l'invocation de l'opprimé. Attention aussi à ne pas faire partie de ne pas être injuste. Parce que l'invocation de l'opprimé, Inch'Allah, elle est acceptée. والتواضع والهمليه وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى استسقاء متبذلا متواضعا lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم allait faire salat al-istisqa en temps de sécheresse demander la pluie à Allah il le faisait avec des vêtements très simples et très humbles à la différence de salat al-eid par exemple ومد اليدين الى السماء وهو من ادب الدعاء من آداب الدعاء parmi les bonne manière de façon d'invoquer Allah, il y a lever les mains au ciel. Wa rawa at-Tirmidhi wa Abu Dawud ibn Majah wa Ahmad an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah hayyun karimun yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Il est rapporté que le prophète sallam a dit certes Allah c'est une façon de parler évidemment. Il n'ose pas, il a honte de lorsque son serviteur lève les mains au ciel de lui rendre vide. C'est une façon de dire de ne pas lui donner ce que il a demandé. وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. Et Tirmidhi a classé ce hadith de Hassan. Alors des fois on peut se dire mais ça fait longtemps que je fais des du'as, je demande à Allah quelque chose et Allah ne l'exauce pas. Il faut savoir que Allah, il y a plusieurs façons pour que Allah exauce nos du'as. Déjà si Allah n'exauce pas, il faut voir est-ce que le problème ne se situe pas chez moi, c'est-à-dire comme on disait, est-ce que je vis dans le halal, d'accord. Et aussi, Allah, on peut demander quelque chose et en fait c'est un mal pour nous. On croit que c'est un bien, on demande à Allah donne-moi telle chose et en fait c'est un mal pour nous. Allah il ne nous donnera que ce qui est bon pour nous. Et donc il peut nous donner autre chose. Et nous on croit que notre dua n'est pas accepté. En fait notre dua a été accepté, mais il nous a donné meilleur que ce qu'on lui a demandé. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être que vous détestez quelque chose, en fait c'est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez quelque chose, et en fait c'est un mal pour vous. Allah il sait et vous ne savez pas. Donc des fois on demande quelque chose, en fait Allah il nous donne mieux. Ou aussi Allah il peut faire que par la cause de cette invocation, il y a un malheur qui ne nous touche pas. Par exemple parce qu'on a fait une invocation qui n'a rien à voir, Allah il nous préserve de maladies, d'accidents, de maladies de nos proches, etc., etc. Et donc nous on ne le sait pas ça. On ne sait pas quand on n'a pas eu un accident. On ne se dit pas ah, aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut se dire j'ai pas eu d'accident, mais on ne le sait pas. Et peut-être par la cause d'une invocation, Allah il nous a évité un grand malheur. Et enfin, peut-être que Allah il nous réserve la réponse à cette invocation pour Yawm al-Qiyamah. C'est Yawm al-Qiyamah qui nous dira tu as fait cette invocation, je t'ai rien donné dans cette dunya, mais maintenant Yawm al-Qiyamah, voilà ce que je te donne, pardonner des péchés,
ou alors des degrés au paradis. Et ce jour-là, alors on aura tous envie que Allah il ait accepté, exaucé aucune invocation dans cette dunya. Et qu'il ait gardé toutes nos invocations pour Yawm al-Qiyamah. Donc, la morale de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il faut faire des du'as. Ça, il faut. Allah aime qu'on lui demande quelque chose. Celui qui ne demande rien à Allah, c'est un orgueilleux. Il croit qu'il n'a pas besoin d'Allah. Allah aime qu'on lui demande. Et quoi qu'il arrive, même si nous, on ne voit pas que ce qu'on lui a demandé, bah, d'après nous, ce n'est pas venu. Mais Allah, il nous donnera ce qui est meilleur. Soit dans cette dunya, soit dans l'akhirah. Mais dans tous les cas, par la cause de ces invocations, Inch'Allah, Allah nous donnera ce qu'il y a de meilleur pour nous. وَالْإِلْحَاحُ عَلَى اللَّهِ. Donc parmi aussi les causes pour que les du'as soient acceptées, insister. C'est pas juste une fois je demande à Allah. Non, je demande et je redemande et je redemande. وَذَلِكَ بِتَكْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ. Donc en répétant la demande. وَذِكْرُ رُبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et en mentionnant le fait que c'est lui qui est tout puissant et qui fait tout sur, dans cet univers. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. Comme dans le hadith aussi, où la personne qui est venue décoiffer tout ça, elle dit « Ya Rab, Ya Rab », ça veut dire qu'elle insiste, elle demande plusieurs fois. وَالتَّوَسُّلُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى. Et aussi en mentionnant Allah par ses plus beaux noms. « Ya al-Hayyoum, Ya al-Qayyoum, Ya al-Hayyoum, Ya al-Hayyoum, Ya al-Qayyoum, Ya al-Jalali wa al-Ikram ». Tous ces beaux noms, il faut les mentionner dans les du'as, ça fait partie de l'adab al-du'a. والأعمال الصالحة et les bonnes actions. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسألة وبعدها. C'est bien de commencer par الصلاة على النبي et de terminer par الصلاة على النبي. Ça attire la baraka et l'istijab min Allah. وأن يصاحب القلب ما يقوله اللسان. Ça aussi c'est très important. أن يصاحب القلب ما يقوله اللسان. Que pendant que je demande, c'est pas que je demande à Allah des choses et je pense à autre chose. Non, que le cœur soit présent. Pendant que je demande, je fais des invocations. Je demande quelque chose à Allah, je suis concentré, je pense à ce que je suis en train de lui demander. C'est pas que je récite des invocations qui sont très connues. Allahumma adina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et moi je pense à autre chose. Non, pour qu'Allah exauce les invocations, je pense et je suis concentré avec ce que je dis. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكِ. Donc la dernière partie du hadith est, donc, et comment est-ce que cette personne elle pourrait être exaucée et مِنْ أَيْنَ أَوْ كَيْفَ يُسْتَجَابُ لِمَنْ هَذِهِ الصِّفَةُ. Et comment donc cette personne qui mange du haram, qui boit du haram, qui est vêtue de haram, comment est-ce qu'elle pourrait être exaucée? فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحْلًا لِلْإِجَابَةِ. Il ne mérite pas d'être exaucé. C'est se moquer d'Allah. Je dis, ça veut dire que si je mange du haram, je bois du haram, je m'habille en haram, je vis dans le haram, ça veut dire que toute ma vie, je ne donne pas d'importance à Allah. Je ne donne pas d'importance à Allah, je donne d'importance à l'argent. Je peux l'avoir comme ça, c'est haram, pas grave. Donc je délègue, j'oublie Allah, et par contre après je viens, Ya Allah, Ya Allah. Ça c'est de l'hypocrisie, ça. Ça c'est se moquer d'Allah. Ça. Donc il y a une personne qui est comme ça, il ne mérite pas. Que Allah exauce ses invocations. لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى تفضلا ولطفا. Mais Allah il fait ce qu'il veut comme il veut. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un soit comme ça et Allah exauce ses invocations. Parce qu'Allah il est soumis à rien et sa rahma elle est tellement illimitée que s'il y voit une hikma, une sagesse, il pourra éventuellement exaucer cette personne. Mais si nous, comme nous on ne le sait pas, nous si on veut que nos invocations soient acceptées, alors attention, attention, attention mes frères, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à tout ce que l'on consomme et comment on dépense notre argent, que ce soit dans le halal. Et je finirai juste vite fait avec la viande. On est dans un pays où malheureusement, et ça c'est de notre faute, hein, c'est pas le pays, le problème c'est nous, le marché du halal c'est le fawda. Marché du halal, c'est pas du tout organisé. Et donc attention, malheureusement, on sait que une très grande majorité de la viande qui est écrit halal ou des boucheries où c'est écrit halal, la viande n'est pas halal. On le sait ça.
Donc on ne peut pas juste se dire ah, le commerçant m'a dit c'est halal, donc moi je mange. Ça, c'est valable dans les pays musulmans. Valable dans les pays musulmans. Pourquoi ? Parce que dans les pays musulmans, au Maghreb, 99% de la viande est halal. Il y a des escroqueries, ça existe, mais c'est très rare. Donc halal, c'est halal, je ne pose même pas la question. Mais en France, on sait que beaucoup de la viande n'allait pas. Donc, il faut faire attention et s'en remettre à des sacrificateurs fiables, comme par exemple ABS ou comme Shahada. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il y a des bouchers aussi qui font attention à où ils se fournissent. Mais en tout cas, on ne peut pas juste dire c'est écrit halal, donc je mange. Il faut chercher un petit peu plus loin parce que vous voyez l'importance de consommer du halal. والله أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله